son est à 15 francs, que à l'entrée c'est Régis et Pascal, au bar c'est Dominique, la soupe à l'oignon c'est à 6h du matin, rendez-vous attention. Tous pour une soirée d'exception, c'est parti. Attention, c'est parti, les vieux, on y va. Donc on précise, Dance, Révolution Max, sixième mix. C'est le sixième mix, oh là, attention, la démo va sortir bientôt en France. Oui, un import, d'accord. Et pas un impair. Oh non, non. Donc nous avons une petite roulette, on va choisir les petites chansons. Mmh. Avec un petit extra à chaque fois. Oui. Donc je te propose. Très bien. Alright. Ça groove, ça. Voilà, il faut dire que c'est la seule chanson, ce seul remix d'une chanson connue. Potable. Alors, le principe, on explique un petit peu, les trucs arrivent. Et il faut toucher des. Les manettes, les deux croix en fait, la manette constituée avec les manettes analogiques, puis avec les boutons aussi, qui forment une sorte de. Moi je suis à gauche, hein. Non, je suis à droite, à gauche, moi. T'es de ton côté? À gauche? T'es à gauche, ouais. Attention! Room tonight, where? Allez partir plus vite, hein. Le DJ il a merdé là. Ah, espèce de vieux charlot. Oui, je vais pas t'humilier devant tout le monde, mais mets la chanson que tu apprécies. La chanson que tu aimes. On la met. Vas-y. C'est. Mets là. Je crois que je vais te laisser, je vais te regarder même jouer dessus. Ça te dérange pas si je te regarde jouer dessus? Non, tu viens jouer avec moi. C'est le plaisir de jouer à deux. Je joue, mais je vais te regarder en même temps. Il est vrai que cette chanson, je la connais. Parce qu'on a joué à ça avec Julien. Julien est tombé sur cette chanson, il a fait. Oh putain, je l'ai entendu déjà. Attention, on laisse écouter. Je suis crevé. Alors, j'ai un peu foiré. Suis. Oh, rendez tous les deux. Rendez et tu as gagné. Et j'ai gagné encore une fois. C'est pas dans ton habitude de gagner. Toi, tu vas mettre le feu en boîte. Hein. Ah ouais, je te jure, j'aimerais bien aller en boîte avec toi. C'est une soirée camping. C'est cool, c'est trop bien d'aller en boîte avec toi. Ah ouais. Je sais que tu connais le mieux. Tu vas t'éclater. Je connais le patron sale. On précise que ça fait 2 à 0 pour moi. Ouais, super. 2 à 0 pour toi. T'es super content. Donc on va faire la petite roulette. La roulette. Qui consiste, attention, le million. Si je puis dire. En dur? Ah tu. On monte, on monte. Oui, le dur, on monte. Oui, le dur. On le dur. On le dur, dur. Est super dur. Ah, non, on est deux. On est deux en coopérative, pour rappeler. Coopérative. En coopérative, bravo. Roulette. Encore le million. Opération en B. Bye bye Billy Baboum. Alors nous sommes deux, il y a la petite jauge là-haut qu'il faut remplir. Je suis à gauche toujours. Et nous sommes en coopérative là. Nous sommes en coopérative. Oh, ça va un peu vite là quand même. On a pris le super niveau là. Faut pas que la jauge verte. Ah c'est le super niveau, on n'y arrivera jamais. Faut pas que la jauge verte. C'est impossible. Faut pas que la jauge verte se finisse. C'est impossible. Il y a un mec qui arrive déjà, il y a un gars qui est arrivé. Faire de Britney Spears dans ta chambre peut-être toi. Non. Si, j'en suis sûr, tu as un poster de Britney Spears dans ta chambre. Depuis tout à l'heure, tu. Arrête de meubler avec des. Tu meubles avec des mensonges. Ah, tu m'as demandé de parler pendant qu'on joue. Oui, parce que là, j'ai un peu de mal, moi. Parce que je t'ai vu au lendemain d'avoir fait Britney Spears, tu étais relativement heureux. Arrête, t'as été bêtise. Mais je t'ai battu combien de fois là dans ce jeu? Parce qu'on n'a pas comptabilisé la dernière. Une chanson grosse, t'as tout gagné, je crois. La chanson, c'est la chanson qu'on connaît. C'est la fait. Seule chanson sympa. Voilà. Let's Groove Tonight. Let's Groove Tonight. De quel groupe? De quel groupe? De. C'est pas. C'est Chalamar. Oh là là, non, je vais te laisser. Non, vas-y, je te laisse un peu ton Chalamar, penser. Chalamar, devant tout le monde. Vous avez la réponse chez vous. Et vous vous demandez comment se fait-il que Julien gagner. Soit ici à faire. Ah oui, c'est génial. Let's Groove Tonight. Qui est-ce? C'est Earth, Wind and Fire. Ah oui, joli, Chalamar, Cool and the Gang, il me manquait. Earth, Wind and Fire. Allez, on se refait, on se marre. Let's Go Tonight, il est juste en dessous. Earth, Wind and Fire. Earth, Wind and Fire. Allez, on y va. Vous êtes sur la piste de danse, on y va. Le meilleur danseur ce soir remporte une bouteille de jus d'orange. Allez, les filles, des t-shirts, des cassettes à gagner, des stylos magiques. Dis donc, je suis rincé. Et qui a gagné? Oh, j'ai perdu. J'en ai ma claque. Ceux qui aiment l'aviation, les beaux avions, les avions de chasse surtout, hein, parce qu'on vole pas avec des vieux coucous, etc. On vole avec
des super jets, regardez-moi ça. Ce n'est pas un suppositoire, mes amis, hein, parce que là, vaut mieux pas être malade. C'est un avion, oui, il a du mal à être, ils ont du mal hein, pour la modélisation. Alors voilà l'avion qu'on a, dont on dispose. Oh, il y a un missile qui est passé à côté de moi et je le bombarde. Et là, vous allez voir, bingo ! Ouais, bien trouvé comme petit mot. C'est vraiment sympa. Ah, là, à midi, là. À midi, regardez, c'est l'île de Koh Lanta. On va aller tous les zigouiller. Vous allez voir, fallait pas partir à l'aventure. Vous allez voir ce que c'est. On va les zigouiller, on va faire une attaque. J'arrive pas à la voir. Bon, bref, c'est pas grave, on va aller par là-bas. Je vous remets... Oh, attention, je vous remets à l'autre vision, regardez. Parce qu'un petit peu... Non, faut pas que je vous mente. Hein. Ce jeu-là, moi, je dis que c'est... Il fallait pas le faire, quoi. Si vous le trouvez dans un paquet de biscottes, d'accord, quoi, vous le prenez. Mais sinon, c'est un petit peu abusé. Ils sont derrière. Ouais, ils doivent être derrière. Mais sinon, c'est de la déconnade. Regardez l'impression de vitesse. Vous voyez là le petit réacteur qui est là. Là, j'ai pas mon turbo. Attention, à 3, je le mets. 1, 2, 3, et regardez bien le petit réacteur. Bah, il se passe quasiment rien, quoi. C'est affligeant, quoi. C'est affligeant. Allez, à dégommer. Donc lui, là, c'est quoi? C'est sur la plage. C'est quoi ça? Ah, les troupes ont débarqué, d'accord. J'arrive un petit peu après la bataille. Mais tiens, bam, bingo! Au niveau du son, c'est pas le Pérou. C'est même pas Lichon, je dirais. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'effets sonores. Et les explosions, bah, on les entend quasiment pas. Les mitraillettes, on va faire un petit peu de mitraillettes. Écoutons. Bah, c'est parce que je suis pas très bon non plus. Mais j'ai pas trouvé d'armes, quoi. Hein, voilà, hop, allez! Je vais leur faire la peau à tout cela. Bingo, ouais. Un jeu bien festif. Hein. Voilà, hop. Allez, je vais vous faire mon attaque secrète sur le dernier bateau. Parce que j'ai quand même une attaque secrète, regardez. Voilà, bingo. Ouais. Easy, non mais qu'est-ce que c'est que ce jeu là? Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? J'en ai marre. Alors ce jeu, pour info, il existait avant. Les graphismes, bah, ils ont limite pris un coup de vieux, quoi. Ah mince, j'ai plus de missiles, je suis obligé de les avoir à la mitraillette maintenant. Ah, c'est pas évident, en plus, la mitraillette. C'est pas possible, ça. J'étais presque ici au départ, ce sont les avions. Tout simplement parce qu'il y en a plein et que c'est les seuls à vous tirer dessus. Donc, la musique, parlons-en bien. Elle est un peu rock and roll, elle est un petit peu... techno, elle est un petit peu relou, elle est un petit peu insipide, un petit peu insignifiante, un petit peu comme l'ensemble de ce jeu qui ne me plaît pas du tout. Je dis pas que ça pourra pas plaire à des gens qui aiment passionner l'aviation, mais sinon ça leur plaira pas, quoi. Ça leur plaira pas, ça m'étonnerait, quoi. Allez, on se met en vue. Ace Combat, je crois que c'était une meilleure facture que ce jeu qui, techniquement parlant, n'est pas au top. Hein. Enfin ouais, enfin, je sais pas moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai pas envie de faire de la peine à ceux qui l'ont fait, j'ai pas envie que vous l'achetiez non plus, j'ai pas envie de vous le conseiller, mais je me dis que peut-être qu'il plaira à des gens qui aiment les avions tout simplement. Sinon, bon, voilà, attention, je peux l'avoir. J'en tire deux comme ça, j'ai peut-être deux fois plus de chance de l'avoir. Ils vont vite en plus, les petits salopios. Allez, Hollywood, vas-y, shoot, ça me fait penser un petit peu à Top Gun ou aérien, sauf que si je rase un petit peu l'eau, forcément, ils vont avoir plus de mal à m'avoir. Et là, je shoot. Bingo! Ouais! Top ce jeu, ouais! Sympa, attention! Un petit par là-bas. Bon, il y en a marre maintenant, hein, des jeux là, sur Xbox, c'est n'importe quoi, les mecs, ils sont pas fatigués, faut arrêter, hein. Il faut nous envoyer des bons jeux parce que moi je commence à fatiguer là. Ah! Il faut nous envoyer des jeux qui valent le coup. Parce que sinon, j'ai un peu mieux. Ah, bingo, ouais. Bingo. C'est ringard. Il n'y a pas de voix par contre. On a été sauvés. Il y aurait pu y avoir des voix. Allez-y, détruisez la mission. Vous avez 4 minutes pour tuer tous les bateaux. On a été épargnés de ça. C'est déjà bien. Hop, juste derrière moi le missile. Ouh, je l'ai esquivé. Oh, je l'ai esquivé, je crois qu'il s'est abattu sur le porte-avions par contre. Je suis super content d'avoir fini cette mission. Vraiment super content, quoi. Super content, quoi. Je suis euphorique. Euphorique, le yo-yo. Oh, le jeu là est trop cool, sérieux. Aussi un ralenti, quoi. Et un replay, regarde. C'est génial. Si tu veux te refaire ta course pendant 10 minutes, regardez ce que t'as fait et tout, c'est génial.
Alexis, on s'en va, on va peut-être gagner un avion. Ouais, on a gagné un J7, super. Voilà, on va prendre l'avion qu'on a gagné. On a gagné un J7, autant l'utiliser. Hop, il est où? Hop, il est sous ma tête, le J7. Hop, je l'avais. C'est cool. Je suis content, je suis super content d'avoir des jeux comme ça. Super. Excusez-moi, j'ai un peu reniflé. Péninsule Alexis, décembre 2000 X5.